Ou un chanteur? Cela est possible dès aujourd'hui. Super! La la la, la la la. Mais non, pas toi, Zi. D'accord, alors viens chanter à notre place. Il y a juste à suivre les mots. Amuse-toi bien. 3, 2, 1, bonne année. Voici la nouvelle année, souriante en rebannée, qui pour notre destinée, par le ciel nous est donnée. Tu sembles très doué. Essayons une dernière fois, mais... Attention, quelques mots ont disparu. Sauras-tu les retrouver? Les mots, où êtes-vous? Pour ils ont disparu dans la chanson. Ah, allez, c'est à toi. Voici la nouvelle année, souriante en rebannée, qui pour notre destinée, par le ciel nous est donnée. C'est à nous qu'elle est née, les ennuis à minuit. Définition. Dis-moi, Po, c'est quoi un carillonneur? C'est bien sûr le sonneur de cloche, c'est écrit dans le poème. C'est vrai, mais sais-tu qu'il joue la plupart du temps sur un carillon? Ah oui, c'est une sorte de piano composé de ficelles reliées aux cloches. On en tire une et le marteau frappe la cloche. Cette douce mélodie crée des ondes sonores que l'on entend de très loin. Le plus grand carillon du monde est au Portugal, il est composé de 120 cloches. Waouh! Poursuivre nos nouvelles aventures! N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne, de partager nos vidéos, de mettre un pouce bleu si tu as aimé. Merci!